Où on vient pour adorer le Père. Donc ce soir, sois focalisé sur le Père, sois focalisé sur Jésus, assurément tu vas le rencontrer. Amen. Donc je vais donner sans plus tarder l'ordre de passage. Nous allons inviter nos merveilles sœurs que nous aimons beaucoup, nos merveilles sœurs qui nous font tant de bien, qui nous bénissent semaine après semaine. Et lorsque je parle de nos merveilles sœurs, il y en a certains qui voient déjà à qui je fais allusion. En réalité, ce sont des sœurs qui ont une véritable grâce de Dieu. Et nous voulons encore cet après-midi être bénis au travers des dons et des grâces que Dieu a déversés dans leur vie. Amen. Ce sont des sœurs qui, en réalité, jour après jour, nous pouvons le témoigner ici, vivent au mieux ce qu'elles expriment, ce qu'elles chantent dans leur adoration. Amen. Et nous voulons encore véritablement nous disposer pour recevoir ici le groupe. Alors, pour Jésus, à travers vos acclamations, aidez-moi à recevoir le groupe Sion. Alléluia! Alléluia! Comme le pasteur a su le dire au début, lors du séminaire, il a dit ce moment n'est pas un concert. Quand on vient à un concert, on regarde un spectacle, mais là nous sommes venus dans sa glorieuse présence. Là où tout est glorieux. Est-ce que tu peux offrir à ton Dieu qui est glorieux ton acclamation de cet après-midi? Acclame encore plus fort! Je vois qu'en dans la mezzanine, est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia! Que quelqu'un dise gloire à Dieu! Encore gloire à Dieu! Pour une troisième fois, gloire à Dieu! Amen! Tout commence avec Dieu. Après que nous ayons rendu grâce à Dieu, nous voulons prendre le temps avant de commencer de bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Et là, je parle du pasteur Yves et du pasteur Abby. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour leur vie? S'ils n'avaient pas cru en nous, nous ne serions pas là ce soir. Et nous voulons célébrer le Seigneur pour leur vie. Merci papa et maman. Merci au corps pastoral aussi. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es réellement venu glorifier le Seigneur? Je louerai. Que quelqu'un dise avec moi, je louerai. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Et j'aimerais avant de commencer d'expliquer à quelqu'un pourquoi on ne dit pas je loue. Pourquoi on dit je louerai. Ça veut dire que c'est continu. Jusque dans l'éternité. Quel que soit ce qui va arriver demain, je louerai. Quelles que soient les circonstances de la vie, je louerai. Dis encore avec moi. Encore plus fort. Encore. Alors acclame. Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Tu peux acclamer le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Est-ce que tu peux acclamer le ressuscité? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant? Je dis acclame.
je louerai son nom. Je louerai son nom tout le temps. Dans les bons, les mauvais dans les bons moments. Et les mauvais moments. Le ressuscité. Je louerai ton nom. Louer, 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 louer. Je louerai ton nom. Louer, 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 louer. Je louerai ton nom.
sagesse. Notre Dieu est merveilleux. Parce qu'il est merveilleux, il fait des choses merveilleuses. L'étendue raconte sa grandeur et sa splendeur. Et nous, dans l'assemblée des saints, nous voulons lever les mains pour proclamer qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Et nous voulons l'adorer. Tu peux élever la voix. Tu es dans sa présence. Tu peux commencer à lui dire qu'il est merveilleux pour toi. Merveilleux est notre Dieu. Et c'est ce que nous avons voulu faire ce soir. Rester après la dédicace du temple pour rendre à notre Dieu tout honneur, toute gloire. Si tu crois que tout ce que Dieu a fait en ces lieux, c'est simplement parce qu'il est merveilleux, est-ce que tu peux simplement élever ta main et commencer à répéter ce refrain avec moi? Élève tes mains en signe d'honneur. Élève tes mains en signe de révérence. Est-ce que nous pouvons dire ensemble? Oui, merveilleux. Nous disons merveilleux et ton Saint nom. Merveilleux et ton Saint nom. Jésus-Christ. 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 Oh, tu es merveilleux. Merveilleux et ton Saint nom. Merveilleux et ton Saint nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ,
proclamons, nous t'adorons. Seigneur, tu es excellent, Seigneur. Yendere baba bos, shataya baba bos,
Veux-tu simplement élever ta voix, commence à prier en esprit. Il y a quelqu'un qui veut adorer le Père en esprit et en vérité en ces lieux. Combien nous t'aimons, nous t'aimons. Oh, oh, oh.
une génération d'adorateurs qui allait se lever dans cette saison. Est-ce que tu peux véritablement élever tes mains pour honorer le Père, pour t'honorer Jésus, pour t'honorer Abba Père? Est-ce que nous pouvons le dire encore plus haut? Jésus, nous levons nos mains pour t'honorer. Je lève mes mains, touche-moi. Je lève mes mains, touche-moi, Jésus. Parce que là où il y a la gloire, la maladie ne peut pas résister. Je ne sais pas si tu as fait tous ces jours. Depuis vendredi, tu étais là. Samedi et le dimanche, tu étais là ce matin. Le Seigneur, dans cette atmosphère, dans la lorsque tu viens, non pas pour commander, lorsque tu viens simplement pour l'adorer. Non, il ne peut pas te laisser adorer en étant malade. Il ne peut pas t'adresser adorer en étant dans le péché. Comment simplement à dire, je lève mes mains, touche-moi, Jésus, touche-moi. Si tu cherches le baptême de l'esprit, dis à ton Dieu, je lève mes mains. Oui, touche-moi, Jésus. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Sa gloire est en ce lieu. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Oui, touche-moi, Seigneur. Touche-moi. Touche-moi. Là où les hommes n'ont pas pu me toucher, là où les hommes n'ont pas pu cicatriser les plaies de mon cœur, toi tu le fais. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Touche-moi, Jésus. Touche-moi, Jésus. Alors que je suis. L'Esprit de Dieu est là. La cassie, la bosse, la blaïdo, chate. Et quand il y a la bosse, c'est la bosse. Jésus, touche-moi. Oh,
ce qui à toi. Je crie à toi.
Chante le plus fort. Est-ce que tu peux élever tes deux mains, commencer à adorer Dieu avec tes propres paroles? Aussi nombreux que l'on soit en ce lieu, il veut aussi écouter ton cœur, lui parler. Alors s'il te plaît, dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Dis-lui, Seigneur, tant qu'il y aura la vie dans mon corps, je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai jamais de t'adorer. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais, que chaque jour je meure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière, on y va. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise, et que ma vie à jamais, te plaise à jamais, que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie, pour t'offrir ma vie. Comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, qui s'offre à chaque instant, à chaque fois. La grande prière, la grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise, et que ma vie à jamais, te plaise à jamais, que chaque jour pour t'offrir ma vie, en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur,
qui s'offre à chaque instant. On va le dire une dernière fois. La grande prière qui monte, la grande prière qui monte mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase, fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour, chaque jour je demeure à tes pieds, mon ton prix. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bon odeur. À chaque instant, tant que tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant, je promets à chaque instant, de te chanter avec les anges, de te chanter avec ton milieu les anges, dans la vie, dans la vie, dans ce corps mortel, dans ce corps mortel, oh, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer.
je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne t'adorerai. Parce que tu t'appelles Elohim El Shaddai. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Qui n'a point de faille. Qui n'a point de faille. Elohim El Shaddai. Elohim El Shaddai. El Shaddai. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Qui n'a point de faille. Qui n'a point de faille. Elohim El Shaddai. El Shaddai. Elohim El Shaddai. El Shaddai. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Qui n'a point de faille. Qui n'a point de faille. Écoute. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas de comme toi, je n'en trouve pas. Qui peut m'aimer comme toi? Qui peut m'aimer comme toi? Il n'y en a pas de. Il n'y en a pas de. C'est simple. Il n'y en a pas de. Il n'y en a pas de comme toi, je n'en trouve pas. Qui peut m'aimer comme toi? Qui peut m'aimer? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on fasse une adoration en medley et je vais chanter avec mes sœurs de Sion. Peut-être que vous le connaissez, la chanson, ça dit ceci. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es, oh. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Pousse un cri de joie pour Emmanuel. Je te cherche, je te veux, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, je célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, je célèbre. Roi de mon cœur, roi de mon cœur, je te loue, je te loue, je t'adore, je t'adore.
je sais que tu es là. Emma, Emma, Emma. Même quand je pleure, Emma, toi tu essuies mes larmes. Emma, Emma, Emma. Oh, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne m'abandonnes pas. Conduis sur ton chemin. Emma, 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 Emmanuel, Emmanuel, Emma, Emma, oh, Emma, Emma, Emmanuel, Emmanuel, Emma, 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 je connais Zamboyo, Komi Pesa, Mokotoyo, Nanyango, Nanyango, Nakokani Sanayo, Nalikolo Pawanase, Ponakatia Mo, je connais que toi, Zamboyo, Komi Pesa. J'aimerais qu'on chante juste avec l'église. Nanyango, Nanyango, oh, oh, oh. Na... plus fort, plus haut. Si on connaît combien, Zamboyo, Komi Pesa. Une dernière fois, juste avec nos voix. Nanyango. Je ne perdrai pas patience. Ote ma ezana molendeo. Pona ebizame alola. Oza motote boyo kosanga. Mwana motote boyo wangana. Bilaka, bilaka. Bilaka yo pesanga. Na bomba, na bomba na motema. Ata eu. Je ne perdrai pas patience. Je ne perdrai pas patience. Ote ma ezana moleleo. Pona ebita me yalola. Osa mototeo. Osa mototeo.
souka souka e koko je ne perdre pas passion je ne perdre pas passion on t'aime dans mon lèvre Dieu parmi nous, parce que tu es présent, parce que tu es présent, tu es ici. Et ça la kangande tili bomai, soki yesu nanga ya kitiawa, nae bakate na pesa enini, nyonso nazali. Eza se Yesue Anzi mangambo ya bomo inangae Anzi mangambo ya mikumba nangae Anzi mangambo ya bitumba nangae Bolingwa boye na mona teo Bamisusu bamatati na bangombae Babele lae ayoka bangote Ngana tomboli kakama bokwa bamba Akitimbango ayoka losambo Yesu azaliawa Azaliawa Yesu azaliawa Yesu azaliawa Yesu nanga azaliawa Il est là en ce lieu, il est là ce soir Yesu azaliawa Yesu azaliawa Yesu azaliawa Nangambo Egipto molilie Nangambo Israel Pole bimie Bisika ye Soaza eye banaka Présence na ye Pole na yo Sandu kwa mibeko Sandu kwa mibeko Eke iwa piye
et que compambola obede domé bisika ye soza e banaka présence naye li pambolina yo ye soza liawa 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 Sila nangai, yo de yo soy amotu ya nangai. Kufana accident. So ki o te mena kufana gai. So ki o te mena kufana gai. So ki o te mena silana gai. So ki o te mena kufana gai. Nous levons nos mains dans ta présence. Nous te proclamons Dieu en ce lieu. Nous t'accueillons, ô Seigneur, dans ton temple. Nous élevons le nom de celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous allons apprendre ce chant qui est très simple. C'est un rassemblement d'adorateurs ce soir. Juste être avec toi, juste être avec toi.
peux le dire à haute voix. Nous avons rencontré des hommes.
ce que nous avons vécu hier avec toi. Nous voulons une portion différente ce soir. Nous voulons une expérience différente ce soir. Nous voulons une dimension différente ce soir. Nous voulons t'expérimenter comme jamais avant. Nous voulons que ta gloire se répande dans ce lieu et que nous soyons témoins de ta puissance. Tu es Dieu en ce lieu. Yes, Lord. Très simple ce chant qui bénit mon âme. Et je voudrais le partager avec toi. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans la salle ce soir? Yes. Est-ce qu'il y a des fils et des filles du Très-Haut ce soir? La chanson est simple. Je bénirai l'Éternel. Tous ses hauts faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. On y va avec vous. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours. Toujours dans ma bouche. Je bénirai. Je bénirai. Vous êtes fantastique ce soir. Alléluia, on y va. Thank you.
J'ai tant besoin de toi. Accompli dans ta vie ici n'étant pas Sama. Et moi, Rebos, j'ai tant besoin. Rebos,
Je suis perdu sans toi.
Nouvelle, une dimension nouvelle, quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant. Tu dis que ceux qui viennent dans ta présence ne rentrent jamais tels qu'ils sont venus. Nous voulons expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté avant. Saint-Esprit, envahis ce lieu. Nous voulons avoir une expérience nouvelle, quelque chose que nous ne pouvons vivre que dans ta présence. Oh,
choses. Le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le en moi devienne plus réelle. Dis à ton Dieu que ta présence en moi devienne plus réelle. Est-ce que tu peux le confesser avec foi que ta présence en moi devienne plus réelle? Alléluia. Est-ce que tu peux simplement élever encore tes mains? Nous voulons chanter ce cantique qui dit que ta présence en moi devienne plus réelle. Je veux une autre dimension de toi. Commence à parler à ton Dieu. Dis, Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Je désire une autre dimension de toi. Alléluia. Chandelavoshaya. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu dans cette atmosphère? Crie à ton Dieu. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Plus palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Jésus, je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de toi. La dimension de toi. La dimension de puissance. La dimension Hallelujah. La dimension de puissance. Proclame-la.
conditions nouvelles ce soir peut soupirer. Seigneur, depuis le début de cette soirée, en réalité, nos âmes sont en train de soupirer après Dieu, soupirer après la manifestation de sa magnifique présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour honorer Dieu ce soir? Autour du trône, il n'y a que de parfums d'adoration, il n'y a que des expressions d'appréciation, de gratitude qui montent vers le cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous disons Seigneur, Seigneur, quand on dit une nouvelle dimension de toi, c'est une autre manière de dire Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux te toucher, être touché par toi, Seigneur, me voici. Devant le trône de la grâce, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Seigneur, Seigneur, c'est mon soupir. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Être touché par toi. Disons-le encore plus haut, Seigneur, me voici. Je veux être un vrai adorateur. Je suis venu pour te rencontrer. Je veux te toucher.
Seigneur, 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 me voici dans le palais de gloire. Dans ton sanctuaire, je veux te toucher et être touché par toi. C'est la cour. Alléluia. Partout dans les cours extérieures, y a-t-il quelqu'un pour dire adieu? Ah, ah, je suis désespéré. Alléluia. Je veux rencontrer Dieu ce soir. Alléluia. Je veux voir mon Dieu chanter. Jésus, alléluia. Nous voulons t'apprécier, tendre papa, chante. Ah, ah, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es dit d'être élevé dans le palais de gloire, dans la cité de gloire. Nous chantons. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un pour chanter en son honneur? Dans la cité de gloire, nous chantons. Il faut qu'il entende nos alléluia. Il faut qu'il entende nos cantiques. Chante. Ah, ah, alléluia. Nous t'aimons et nous t'honorons. Nous t'aimons, nous t'adorons. Chante. Devant le trône de la grâce de Dieu, nous offrons des parfums d'adoration et de louange. Les bras de la masse et d'arabalerebosa. Vous êtes très nombreux dans les cours extérieures. Vous êtes très nombreux dans les salles à l'extérieur. Ne soyez pas juste là pour être là. Non, l'écho rababa siyaba. Nous nous trouvons devant le trône de la grâce. Nous sommes devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est présent par son Esprit. Jésus est présent par son Esprit. L'Esprit de Dieu, il est celui qui emmène la présence du Père et de Jésus le Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet endroit, dans le palais de gloire, qui est venu pour honorer Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Si c'est ton cas, dis Amen là où tu es, dis Amen même à l'extérieur, dis Amen dans les cours extérieurs. Vous savez, quand Dieu est là, il faut qu'on l'honore, il faut qu'on l'adore. Ce n'est pas tellement les paroles que tu dis qui sont importantes, c'est le cœur bouillant d'amour pour Dieu qui est important. Quand on adore Dieu, on ne regarde pas si tu es un pasteur, un chanteur, un frère, une sœur. Dieu regarde simplement le cœur. Quelqu'un me dit Amen. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne.
Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Amen. Pourquoi nous disons que tu es digne? Dans Apocalypse chapitre 5, il y a une scène. L'apôtre Jean dans le ciel voit une scène effroyable, une scène effrayante. Une voix sort du trône. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Donc Apocalypse chapitre 5, la Bible dit que l'apôtre Jean y voit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne. Devant le trône de la majesté de Dieu, le trône du Père était là. Et une voix est sortie du trône. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Il dit, je regardais partout dans le ciel, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et pendant qu'il pleurait, c'était une scène. Il dit, mais c'est pas possible. Qui va sauver alors l'humanité? Que faire? Un ange lui dit, ne pleure pas. Car voici le rejetant de la tribu de Judas, le fils de Dieu, le fils de David, l'agneau de Dieu. Lui, il a triomphé en donnant son sang, en quittant son ciel de gloire, descendu sur la terre pour prendre le péché du monde, versant son sang à 7 reprises. Il a fait ce qu'aucun ange, aucune créature depuis l'éternité n'avait été capable de faire. Par lui, par son sacrifice, il a apaisé le cœur du Père. Il a apaisé la colère de Dieu et il a racheté tous les hommes par son sang précieux. Il dit, lui là, pas un ange, pas une quelconque créature, mais lui seul, il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Puis il dit, je regardais et je vis quelqu'un, la forme d'un agneau. Mon ami, l'agneau dont nous parlons, il est digne. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est Jésus le Christ. Son nom est l'étoile brillante du matin. Donc même quand je chante ce chant pendant 5 secondes, il en vaut la peine, voilà pourquoi je veux lui dire, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré, tu es digne, tu es très digne, digne, Seigneur Jésus. Adoré, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. Y a-t-il quelqu'un pour dire à jamais, à jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oui, je reconnais l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. Pour t'adorer, autour du trône, je veux déclarer à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh oui, l'agneau de Dieu sur le trône. Je fléchis les je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. Depuis le palais de gloire, à jamais tu seras l'agneau. Oh, je veux déclarer l'agneau est sur le trône.
fléchir les genoux. Oh, je suis honoré de fléchir les genoux pour t'adorer. Oh, y a-t-il quelqu'un qui veut se prosterner? À jamais tu seras en l'honneur de l'agneau, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh oui, je fléchis les genoux. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire à haute voix, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour ta. Si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Je suis venu te dire ce soir. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Je reconnais de tout mon cœur que ton nom est si merveilleux, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire de tout ton cœur ton nom est si merveilleux? C'est-à-dire qu'il fait tout à merveille. Ses œuvres sont magnifiques, elles sont merveilleuses. Ton nom est si merveilleux. C'est Jésus qui a bâti la cité de gloire. Regarde dans quelle atmosphère il nous met ce soir. Regarde comment il change les cœurs. Regarde comment il transforme les vies. Ton nom est si merveilleux, je veux dire. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, nous voulons déclarer ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Voilà pourquoi à haute voix nous voulons proclamer ton nom est si merveilleux. Est-ce qu'il y a un adorateur? Est-ce qu'il y a des adorateurs dans les cours, dans les salles annexes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu? Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si, si merveilleux. Toi-même. Ton nom est si merveilleux. Confesse-le toi-même. Ton nom est si merveilleux. Adama de l'Ebros. Jésus. Ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom est si merveilleux. L'homme ramassé, la ramassé. Ton nom est si merveilleux. Et rabababa, c'est katarama. Jésus. Dans le livre de Jean,
le livre de Jean au chapitre 7, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Des fleuves d'eau vive sortiront de lui. Il parlait de différents fleuves. Ils sortiront et ils jailliront jusque dans la vie éternelle. Et puis juste après, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'esprit, Jésus n'avait pas encore été glorifié, donc l'esprit n'était pas encore venu habiter en eux. Quand le Saint-Esprit vient en nous, l'Esprit de Dieu vient en nous. Sa présence en nous, lorsqu'il nous remplit, elle devient comme un fleuve. Dis avec moi, un fleuve. Et de ce fleuve, il y a différents fleuves qui doivent maintenant sortir de toi pour aller vers le trône de Dieu. Pour aller toucher le cœur de Dieu, ça sort de toi. Voilà pourquoi il y a une source en moi. C'est un fleuve. Il y a des fleuves. Et un des fleuves que Dieu apprécie, c'est les fleuves de louange. Qui quitte mon cœur là où tu es, à l'extérieur. Je sais que nous sommes partout actuellement, mais ne pars pas de cet endroit sans être connecté à Dieu, sans avoir touché le cœur de Dieu. Ce soir, nous ne sommes pas là pour demander à Dieu une bénédiction. Ce soir, nous sommes là pour honorer Dieu, pour apprécier Dieu. Nous sommes comme des enfants qui se tiennent dans les bras de son Père. Nous sommes comme Marie qui était assise dans Luc 10, verset 40, jusqu'à verset 42, où on dit Marie était assise. Elle contemplait, elle regardait. Voilà pourquoi tu as le droit d'être assis. Tu peux être debout, tu peux être prosterné, tu peux être à genoux, qu'importe la position. Ce qui est important, c'est la contemplation. Ce qui est important, c'est l'attitude. Même honnêtement, parfois même tu es silencieux. Des fois tu es là, tu ne dis rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parfois c'est pas toujours parler. Marie était là, elle ne parlait pas, elle contemplait, elle écoutait, elle admirait. Quelqu'un me dit amen. Il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot du fond du cœur vers toi. Seigneur, ce soir, écoute, je veux dire à Dieu, il y a une source en moi, il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot du fond. Vers toi, Seigneur. Encore écoute, je veux dire à papa, Père, il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot. C'est un fleuve de louange.
es bon, que tu es bon. Tout ce que tu fais nous remplit de joie. Oui, nous disons, et nous disons que tu es bon, que tu es bon. Abba Père, tout ce que tu es nous rend tout ce que tu es. Oui, nous disons, et nous disons assemblés ce soir, que tu es bon, tu es bon. Tout ce que tu es nous remplit de joie. Oui, nous disons, et nous disons tous ensemble, que tu es bon, tu es bon. Tout ce que tu es nous remplit de joie. Une dernière fois, nous disons, et nous disons que tu es bon, que tu es bon. Abba, Papa, nous remplit de joie. C'est une déclaration d'intention, de désir, Père. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Dieu le Père, il cherche de véritables adorateurs. Il nous a créés pour son plaisir. Abba, Père, Père, nous déclarons. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère dans ton intention, dans ta déclaration? Est-ce que c'est ce que tu désires? Est-ce que c'est ce que tu demandes à Papa en disant, Père, nous déclarons que nous t'aimons de tout mon cœur. Dis-le-lui à haute voix, à haute voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déclarer à Papa? Nous t'aimons.
papa. Oh papa, tes enfants sont assemblés en ton nom. Abba papa, nous t'aimons, nous te chérissons. Père, tu sais que nous n'avons pas les mots. Devant toi, des fois, nous ne savons même pas quoi dire. Mais toi, tu connais. Tu connais la mesure, tu connais le niveau où nous sommes. Père, Lora Baba si andala brato si abara amaseteba. Oh Rababa si kabara ote karia baba. Nebare babos, tu sais pourquoi ce rassemblement de ce soir a lieu. Il ne s'agit pas d'un concert, il ne s'agit pas d'un environnement d'artiste, non. Tes enfants sont là, papa. Kelabare bobo si kabara nabare baba. Les enfants du Père sont assemblés devant toi, papa, pour t'honorer, pour t'adorer, pour te rendre les actions de grâce. Nous sommes dans le palais de gloire, ce lieu que tu as bâti toi-même. Qui aurait cru que ce genre de lieu sortirait de Brazzaville? Oh non, Père, c'est Dieu qui a fait ces choses. C'est toi qui as fait ces choses. Tu nous as plantés dans ce lieu. Il faut savoir, mon frère, il faut savoir, ma soeur, qu'une des raisons pour laquelle Dieu bâtit un temple, c'est que dans un temple, le peuple vient pour offrir l'adoration. Le peuple vient pour adorer Dieu. Le peuple vient pour glorifier Dieu. Quelqu'un dit amen. Si c'est juste 5 minutes, alors pendant les 5 minutes, j'offrirai à Dieu le meilleur de mon adoration, le meilleur de mon appréciation, le meilleur de ma louange, de tout mon cœur. Je l'aimerai comme si c'était mes derniers instants sur la terre. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons je déclare, je déclare, Père, par ta grâce, je déclare mon amour profond pour toi, je déclare mon attachement à toi, ma passion pour toi, je déclare, tendre Père, je déclare, par ta seule grâce et ton aide, je déclare. Abba Père, je déclare. Abba Père, je déclare. C'est une grâce qui m'est accordée. Je déclare mon attachement. Je déclare, je déclare mon amour pour toi, Père, je déclare, je déclare, je déclare mon amour profond pour toi. Il a dit dans sa parole, le peuple que je me suis formé, il publiera ma gloire. Le peuple que je me suis formé, publiera ma gloire. Et c'est par toi que la gloire doit être libérée, proclamée, manifestée. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Est-ce que tu veux le dire toi-même de tout ton cœur? Sois glorifié, Jésus. Sois, sois, sois.
sois glorifié.